sucré. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule lord de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Restez toujours branchés tous les vendredis à partir de 22h. Et ce soir sur mon antenne ici, je reçois une grande danseuse. C'est pas n'importe qui, hein, mais pour vous avoir, c'est pas facile, ma chérie. Vraiment, on sent que vous êtes vraiment une star. Celle qui a dansé pour Alphat, c'est pas n'importe qui. Parce qu'Alphat est quand même le grand, vraiment, l'artiste qui a marqué tout le monde. Là, quand je vous vois, je sens que Alphat est toujours là. Parce que vous dansez bien. J'ai beaucoup assisté à vos films. Ça va? Oui, ça va bien, maman. Ah, vraiment, quel bon vent qui vous amène jusqu'à Ivan TV ici ce soir. Déjà, je suis là pour expliquer, voilà, un gourmand qui m'est arrivé. Oui. Voilà, en 2018. En tout cas, ça n'a pas été facile, c'était vraiment dosé. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Ah, le gourmand était dosé? Oui. C'était dosé comment? C'était plus fort que toi, quoi. Oui, c'était plus fort que moi. Voilà, je vivais avec mon chéri, voilà. Et au quartier, il y avait une petite qui le fatiguait trop, là. Donc, à chaque fois, lorsqu'on passe, la fille le regardait d'une manière. Lui aussi, je sentais un petit truc. Donc, je lui ai dit, ah, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas du tout. Ce que je vois là, ça ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas. Donc, si tu es malin, il faut stopper ça. Sinon, là, mon côté Yakuba va sortir. Donc, si tu ne veux pas voir ça, là, arrête. Non, c'est les Yakuba qui sont agressifs. Non, c'est Yakuba qui est agressif. Non, donc c'est comme ça. Nous sommes restés là et il m'a dit, non, il n'y a rien, maman. Non, t'inquiète, il n'y a rien. Voilà. Donc j'ai dit, mais il n'y a rien. Et puis la fille, à chaque fois, lorsque je passe, elle se fait genre, comme si je ne sais pas quoi. Donc une fois, il me disait, non, il partait voir son ami, il partait regarder la télé, je t'en ai même temps causé, tout ça. Je lui ai dit, d'accord, pas de souci. Donc ça, un jour, je lui ai dit, ah, je vais voir une amie à Petro là. Donc, je ne sais pas trop à quelle heure, voilà, quand est-ce que je vais rentrer, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, je suis partie, mais je n'ai pas duré bizarrement. Donc, quand je suis arrivée, je l'ai vu. Je tape la porte, je tape la porte. Je vois quelqu'un qui sort, mais il est en chocoteau. D'une manière, attends, ce chocoteau-là, c'est un chocoteau qu'il a l'habitude de porter lorsqu'il finit de se laver et tout. Donc, et puis, il ne met pas de dessous en bas. Donc là, maintenant, je lui ai dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es avec qui? Parce que je voyais des tapettes, les tapettes que les filles du lait. Donc, auprès de ton mari, tu étais au contrôle. Donc, là, maintenant, je rentre, je lui dis, aïe, mais laisse-moi, tu ne veux pas me laisser rentrer. Il dit, aïe, chez moi, même quand tu ne veux pas me laisser rentrer. Donc là, maintenant, je l'ai poussé. Tu as poussé qui? Oui, j'ai poussé mon chéri. Je l'ai poussé parce qu'il ne me laisse pas rentrer, c'est chez moi. Donc, on vivait ensemble. Donc, quand je suis rentrée, j'ai vu la même fille que j'ai garant la dernière fois. Donc, là, maintenant, je lui ai dit, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Il me dit, non, il ne sait pas quoi me dire, au fait. Là, comme ça, bégayé, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi me dire. Elle aussi, elle a arrêté. Elle me regarde d'une manière. Je ne sais pas si elle compte sur lui. Voilà. Donc, je lui ai dit simplement, je lui ai dit, ma chérie, sors. Elle me dit, Jean, elle ne me parle pas. Elle se fait un Jean. Je lui ai dit, je t'ai prévenu. Je t'ai dit que tu as fait mon côté, Yakuba va sortir. Il me dit, non, maman, il n'y a rien. Il dit, mais il n'y a rien. Elle fait quoi? Non, avant même d'entrer, même là, j'entends dedans là-bas, j'entends un bruit qui fait pas. Genre, comme si elle était portée son caleçon façon là. Donc, quand je l'ai poussée, je suis rentrée. Déjà, même la fille n'avait pas bien porté son caleçon. Donc, je lui dis, sors, elle ne veut pas sortir. Il dit, sors, elle ne veut pas sortir. Ah, donc c'est là maintenant, je l'ai tiré. En tout cas, je l'ai tiré par le caleçon. Tu as tiré qui? Oui, la fille en question. Tu as affaire à la fille, bien, tu as affaire à ton homme. Bon, moi, j'ai affaire aux deux. Parce que quand ça a commencé, je les ai prévenus les deux. Voilà, lui, il me disait, non, maman, s'il te plaît, laisse-la, va sortir. J'ai dit, non, sors. Parce que j'ai dit, ah, elle n'est qu'à sortir, elle ne veut pas sortir. Mais il dit, non, qu'elle n'est pas venue avec moi, c'est avec lui qu'elle est venue. Mais lui aussi, lui dit, mais elle te dit de sortir, il faut sortir, tu attends quoi? Donc, elle dit, mais c'est pas avec elle que je suis venue, c'est avec toi. J'ai dit, non, avant même qu'elle va parler, maman, j'ai dit, attrape son caleçon pour l'agiter nu dehors. Attrape le caleçon de qui? Oui, caleçon de la fille. Qu'est-ce que son caleçon a à voir avec toi? Non, mais tu as fait à ton gars, tu as fait la caleçon de la fille. Il y a fait aux deux moments. Est-ce que la fille? Non, la fille n'a pas. Elle ne connaît pas chez toi, c'est ton gars qui l'a amené. Mais, non, excuse-moi. La fille n'a pas affaire à toi. Tu es parti d'après ton côté Yakuba. Mm-hmm. Mais c'est la première fois que j'attends que les Yakuba soient agressifs. Ton côté Yakuba que tu entends. La première fois, hein, y a dans le coin des Yakuba, il y a des brigands dedans, il y a des casse-pieds, je ne sais pas. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Depuis quand Yakuba dit ton côté Yakuba, les pétés vont dire quoi alors? Tu as affaire à ton homme, tu n'as pas affaire à la fille. Tu as affaire à ton homme, si c'est moi la seule là, tu peux dire à ton homme, bon, s'il te plaît, c'est à lui que tu as fait. Si tu blessais enfant des gens, tu allais faire la prison. Parce que la fille qu'on n'est pas chez toi, c'est ton homme qui l'a envoyé. Alors vas-y. Maman, elle connaissait très bien. Moi aussi, mon côté guéri. Oui, elle connaissait très bien chez moi parce que
C'est l'ami à son grand frère et elle connaissait la maison. La maison, c'était une cour musulmane. Mm-hmm. Et elle connaissait aussi les propriétaires de la maison. Donc, je suppose qu'elle connaissait chez moi. Elle a voulu, elle a cherché. Donc, ce qu'elle a cherché là, elle a trouvé parce que je l'ai prévenu. Et je prévenais aussi les deux. Mm-hmm. Parce que lui, ça ne tenait pas à moi, au fait. Mm-hmm. Voilà, donc quand j'ai tiré la fille pour faire sortir, je l'ai jetée dehors. C'est-à-dire, tout le monde est venu. On me dit, ah, Rita, laisse son calme. Je lui ai dit, qu'elle sorte. Donc, c'est là maintenant. Tout le monde a commencé à venir. Elle-même, il y a son gars même qui quittait à l'école, qui est dans le quartier aussi. Ses amis l'ont appelé. Elle dit, ah, mais c'est pas ta go qui est là-bas, voilà. Elle n'avait même pas de quoi dire, même, au fait. Elle n'a même pas de mots. Donc, le gars, il a arrêté. Ses amis sont là, il ne sait pas ce qu'il va dire. Sa maman aussi, ils sont partis appeler sa maman. Ses soeurs venaient grouper sur moi. Je lui ai dit, puisqu'elle n'avait pas bien porté son slip, je lui ai dit, si elle s'amuse là, il va faire descendre. Donc, elle était là, pardon, ma chérie. Non, tu étais le louba de Yakuba. Oui, maman, ah. On peut dire ça. En tout cas, moi, en matière de relation, quand je donne mon cœur à un homme là, j'aime pas qu'on me blesse parce que quand j'aime, je suis sincère. Quand j'aime, j'aime au fait, j'aime pas, je sais pas faire à peu près. Donc, faut pas faire aussi à peu près avec moi. Voilà, c'est comme ça. Donc, après ça, sa maman est venue. Elle a commencé à me demander pardon, Djula, ma fille, pardon, Sabari. Elle a commencé à parler aussi à sa fille. Elle voulait faire un genre. Bon, après, elle-même, elle a demandé pardon aussi. Mm-hmm. Et puis, bon, le propriétaire, tout ça, elle est venue dire, ah, Rita, ma fille, pardon, faut laisser, c'est bon, pardon, faut laisser. Et puis, bon, mon chéri, mon question, il était loin de moi parce que lui a dit, il n'est qu'à se mettre loin de moi. Sinon. Voilà. Sinon, lui aussi, il a attrapé son caleçon. Alors là, donc, tous ceux qui regardent la télévision, là, remarquez la fille, là. Parce que, ah, ça, là, ça devient. J'ai reçu un mot, je suis au terminus. Remarquez celle-là. Hein? Si vous qui, la beauté là, c'est très bon. Mais quand c'est une beauté qui dit que côté, ils sont agressifs là. Ah, ma fille, ça ne veut pas aller. Ça veut dire que le mari même qui te couille là, lui-même, il n'a qu'à rester loin. Et puis, donc, ça veut dire qu'avec ma chère invitée là, quand on reçoit juste quand on n'a pas fini, on garde dans un coin. Là, Yakuba, vous avez vos loubas ici. C'est bien. Donc, après ça, avant même que je laisse son caleçon, elle ne voulait pas admettre au fait ce qui est en train de se passer. Oui. Donc là, maintenant, ses soeurs veulent grouper sur moi. Donc, j'ai attrapé son slip comme ça. Et puis, je voulais faire descendre. Et puis, en même temps, ça m'a attrapé ma main. Et puis, là, maintenant, la fille a commencé à dire, ah, pardon, ma chérie, pardon. En tout cas, il a attrapé un côté même où vraiment, c'est là qu'on commence à couler. Quel côté? Maman, c'est un côté. Non, j'ai dit chez moi ici, là. Vos histoires de côté, c'est toujours la seule. Quel côté tu as attrapé? Puis elle a commencé à parler. Maman, il a attrapé le côté des femmes qui fait mal. Où le truc là? Tu as attrapé son con? Oui, où il y a le petit policier. Mais pourquoi tu ne veux pas dire que tu as attrapé le con de la fille? Donc elle a son con dans cette tête de vous dehors. Non, écoutez, s'il te plaît. C'est moi qui t'ai invité, ce n'est pas vous qui m'avez invité. Je te pose la question, tu as attrapé quoi? En bas de la femme, tu as attrapé quoi là-bas? Chez nous, les Yakuba là, nous on appelle ça petit policier. Mais moi, je ne suis pas Yakuba, mon antenne, c'est pas Yakuba ici. J'ai dit. Tu as attrapé le clitoris de la fille avec ses poings, c'est tout. Petit policier, depuis quand il n'y a pas de petit policier. Chez moi ici, si vous avez honte à rester là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire parler son corps. Moi qui suis âgé que toi, dis une fois même, âgé que ta main, je n'ai pas de clitoris. Quand tu as attrapé son corps là, il y avait quoi dessus? C'est-à-dire que son corps était dans ta main, tu m'as dit, maintenant tu dis petit policier. Depuis quand il y avait armée de police? Faut m'expliquer. Carrément. Vas-y. En tout cas, maman, c'est ce qu'il a dit là. Mm-hmm. J'ai attrapé des trucs. Voilà, en tout cas, qui ne lui faisait pas du bien. Voilà. Tout ce temps, toi, tu as eu le temps d'aller en bas de la fille, elle prend son con là-bas, et puis elle est là, elle te regarde. Et le mari même qui a couillé ça, lui aussi, il te regarde. Lui, il me regarde parce que lui, elle dit, si s'approche là, je vais attraper pour lui aussi. Donc, il ne peut pas s'approcher, il me connaissait aussi. Mm-hmm. Parce que je l'ai prévenu. Donc, tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'appeler les gens pour me demander pardon, pour qu'ils puissent laisser le petit policier de la fille. Mm-hmm. Ah, donc, vraiment, pour elle, là, ça fait un mètre. Hein, parce que pour attraper jusqu'en clitoris de quelqu'un qui vient au dehors. C'est que pour elle, vraiment, nous tous, on n'est pas circoncis, mais pour elle, c'est un danger. J'ai dit, ça tombe bien, parce que c'est facile de dire que, pour ne pas te faire peur devant un homme, tu es très charmant, tu as une grande beauté, mais tu vas faire ça aujourd'hui, bien sûr, si tu es marié. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui ont dit, ah, la fille, là, quand tu es avec elle, si elle ne prend pas le clitoris de ta copine, elle va prendre toi-même ta pile. Parce que c'est des trucs qui manquent. Parce que quand je t'ai vu, même quand tu m'as dit, moi, mes parents, je suis ouais, mais entre nous, les Yakuba, parce que dans mon village maternel, tout le monde parle le Yakuba là-bas. Mais c'est rare de voir une femme Yakuba qui est agressive. Est-ce que tu vas? C'est ma première fois que j'entends ça. Sinon, moi, mais je suis ouais, mais je suis beaucoup avec les Yakuba. Il faut voir en tout la femme de qui perd à son âme. Je suis pourquoi elle est Yakuba. Mes parents m'ont dit, mais toi, mais tu devais être Yakuba. Donc, la manière là, parce que déjà, mais tu n'es même, on n'a pas eu le départ. Mais ce qu'on entend de voir, ça veut dire que le départ même là-bas, alors là, tu as failli même mettre la maison au feu. Parce que tu as surpris seulement ton homme avec la fille. D'accord, vas-y, on va écouter le reste. Oui, moi je les ai surpris. C'est pas, je les ai. Ça veut dire qu'ils ont fait le truc. Mm-hmm. Ils ont fait le truc. Et
Le côté chaleur, toute personne a un côté animal en lui. Oui, oui. Voilà. Mais moi, c'est mon côté là qu'elle a. Et avant que ça ne sorte, je les ai prévenus les deux. Mm-hmm. Voilà, je les ai prévenus les deux. Donc, ce sont eux qui m'ont poussé à bout. Mm-hmm. Voilà, je ne peux pas permettre que mon pain que moi je mange, que j'adore, mm-hmm. le truc que je mets dans ma bouche, que je fais ça bien, qu'une autre personne va venir se permettre, ou bien le gars en question avec qui je suis, va se permettre de mettre son truc quelque part, dans un autre trou. Voilà, moi ça ne marche pas, moi. Quand voilà. sa maman lavait la tête, mm-hmm. où maman, quand sa maman non, lavait. Excuse-moi, s'il te plaît, quand la, maman lavait sa pinade, c'est toi qui lavais ça. Toi qui as eu déjà, c'est déjà faux. C'est toi qui lavais pinade. Mais écoutez, ne plaît pas les gens pour ça, fait rien. Hein? Avec ça, vous trouvez que les hommes, vous ne gagnez pas les hommes. Pile là, c'est pile qui est populaire, c'est pour tout le monde. On n'a jamais écrit le nom de quelqu'un dessus pour dire toi seul, il faut aller avec ça. C'est la femme qui a le droit d'avoir, le droit d'avoir une femme. Mais l'homme est libre d'avoir 1000 femmes. Ce que tu as fait, je me suis dit, demain, quelqu'un même a une intention envers toi, il va dire, faut pas que ma pine va rester à terre. Parce que si elle ne dit pas à couper pine des gens. Parce que des choses, quand vous venez ici, là, réfléchissez. Parce que c'est notre télévision, ce n'est pas une télévision seulement de Pougon. Ça va jusqu'à. Dans tous les grands pays, aux États-Unis, partout, ça rentre là-bas. Donc, comme ça te fait mal. Mais moi, sincèrement, on n'a pas eu le départ. C'est ce que mes parents disent. Si tu n'as pas vu où elle se lave, mais au moins où elle met pommade, au moins tu sais comment elle met sur ses pieds. Toi, déjà, parce que tu as goûté, le gars t'a couillé, ça te fait du bien, donc tu ne veux pas que les autres te touchent. On va dire aux jeunes qui vont vers toi, en sortant, ils n'ont qu'à laisser les pines à la maison, vous allez aller causer. Parce que là, vraiment, je t'écoute. En tout cas, moi, c'est ça. C'est vrai que là, c'est vrai que Samon n'a pas lavé, j'ai pas vu que Samon l'avait, mais on a décidé d'être ensemble pour le meilleur, pour le pire, on a décidé même de partir. Vous êtes mariés? Oui, jusqu'au mariage. Mariage légal? Non, on alors, a décidé. Ça, même mariage légal, même. Non. C'est mariage légal, mais c'est. L'homme se marie, mais sa fille n'a pas porté bague. Il est libre de couiller comme il veut. Non, parce mais moi, avec moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, tu vas toujours voilà. avoir gars. Tu non, vas non, avoir. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Parce pour toi, que c'est non, comme si ça ne marche pas comme ça. Non, moi, je déteste l'infidélité. Voilà, moi je déteste. Avant de le trouver, c'est lui qui t'a déviagé? Non, c'est pas lui qui m'a déviagé. Non, mais je pose la question, si c'est lui qui t'a déviagé. Non, c'est pas lui. Alors, ah pourquoi tu fais c'est ça? C'est pas lui, mais c'est lui avec qui j'étais aussi qui m'a déviagé là. L'infidélité aussi qu'il a fait là. Non, ton comportement, aussi. On ne peut pas te garder. Parce que moi, mais je suis vieille là, j'ai peur de toi. Quelqu'un qui dit que ton côté, Yakuba, ça veut dire que les Yakuba sont des panthères, des gens qui attaquent à l'eau. Non, 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 non. Oui. Même pas. Sa maman avait sa pine, on flottait bien des cartes dessus, tu n'es pas au courant. Tu vois déjà pine qui est devant toi, tu as donné l'ordre. Sa mère va dire quoi? C'est toi qui avais pine là? Quand il y a quelqu'un, tu te prends un peu. Aucune femme ne peut accepter l'infidélité, maman. Là, je suis désolée. Je suis désolée. Femme, aucune femme ne peut accepter l'infidélité. Parce que déjà, vous portez un masque pour tromper les gens. Déjà, le vrai comportement même là, tu prends clitoris des femmes, tu prends aussi pine. mais. Tu prends jusqu'à mettre sa main en bas des femmes. Vous là, vous regardez, remarquez là. Hein. Remarquez, celle qui a l'air mariée. Qui prend clitoris, elle prend, si elle a un copain qui a une go, ma copine, faut pas penser où elle passe. Parce que ces deux-là sont là pour voir clitoris, elle va t'arracher ça sans faire une opération. Parce que tu as baisé même pine avec elle. Elle est chez moi ici, c'est une grande danseuse dans la fête, père, son âme, mon fils, il repose toi bien. Ah, on dit on cherche les invités, mais aujourd'hui je suis au terminus. Je l'ai vu. Jusqu'à sur mon antenne, elle dit carrément qu'elle est couchée avec toi, quelqu'un ne doit plus coucher avec toi. Comme si quand ta maman te pliait, tu chiais sur elle, on l'avait pile là jusqu'à ça a grossi. Elle a eu déjà, c'est devenu gros là. C'est elle qui va donner l'ordre. Je vous écoute. Mm-hmm. Seigneur. Donc après ça, on est resté là. Quand j'ai laissé la fille, elle a du mal à marcher, mais parce qu'elle sait qu'en bas là-bas, même ça battait fort. Et puis je sais que ça brûlait. Tu es contrôleur des clitoris. Non, maman, je sais que ça brûlait parce que de la manière dont on parle. Il y a des gens qui contrôlent les clitoris, il est. C'est ma première fois. Moi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais dit qu'une femme va dire à sa copine, j'ai pris son nom pour elle, que tu as savais comment les mettre. Qu'il soit qui a couché pour elle, ça dépasse 2 mètres alors. Pour toi, ça part. Donc, son mari, mais qui a baisé, puis qui a baisé, c'est une longueur. Non, maman, ça venait d'être chauffé. Donc, actuellement, c'était pas encore rentré. Voilà, c'était sorti parce que ça venait d'être chauffé. Ah, il y a un pépé, caca, tout de bruit. Quand il découvre, il va. Ah, elle dit, elle en a clitoris, c'est bien. Elle go dans l'eau. Elle en a clitoris. Pour les gens que je connais là. Ah, chose, madame Kui, en tout, c'est ta petite fille qui est là. Chez vous, les Yakuba, vous prenez clitoris des gens. Donc, si on vous voit maintenant, loupez-les. Hein? Ne cherchez pas. Elle est la seule qui a dit que tu fais rire à son gars qu'elle a fouillé. C'est clitoris. Et la Kumba, voyez, elle fait sortir. C'est les clitoris qui sort maintenant dans Abidjan ici. Cette année, on a commencé nouvellement. Avec fête de décembre, la clitoris va sortir. Vas-y, toi, au moins, clitoris qui est caché en bas, là, tu fais sortir dans sa fenêtre, là, c'est bon. Donc, c'est une bonne chose. Automatiquement, quand j'étais là,
Je le regardais, avant que j'aie laissé la fille, il me disait, il voulait s'approcher auprès de moi, il voulait s'approcher. Je lui ai dit, ton truc, c'est descendu maintenant. Ça regarde pas tes maintenant. Qui? Oui, il parlait de mon chéri maintenant. Parce qu'il s'est arrêté. Donc, il lui a dit, ça, pour toi, c'est pas l'amour, ça, c'est un règlement de compte, vraiment, les gens. Ça veut dire que la guerre n'est pas encore finie chez les Yakuba. Parce qu'on met les gens pour apprendre les clitoris en bas des gens. C'est une bonne chose. On cherche la paix, mais toi, tu attaques les clitoris. Parce que les clitoris, c'est là la vie d'une femme, c'est tout. Si tu as coupé, puis c'est tombé aussi, c'est bon. Ça, c'est, ce n'est plus, on n'a pas circoncié, mais ça, c'est un règlement où on la fend. Vas-y. Donc, je lui ai dit, tu t'approches pas de moi. Tu t'approches. Tout le monde te demandait pardon. Tout le monde, lui aussi voulait profiter dans ça pour venir s'approcher. Non, maman, tu sais, non. Il a dit, tu approches pas tes. Pas encore là auprès de moi. Pas encore, c'est quoi? Pas encore. Ah, tu parles à Yakuba maintenant. Moi, c'est la première fois que je savais pas que chez Yakuba il y a des brigands là-bas. Donc, c'est comme ça. Il est resté à l'écart de moi. Donc, je lui ai dit, ah, c'est plus levé, hein, c'est arrêté, maintenant c'est tombé, c'est chaud. Mm-hmm. Ok, là, tu n'as rien vu encore. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que sa maman est venue me demander pardon, pardon, pardon. Bon, la fille, même après, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à s'excuser. Mais tu as attrapé, c'est sa vie, tu as attrapé. Oui. C'est comme on attrape une d'un homme, il ne peut plus faire quelque chose. Donc, on va avertir toutes les gens. Vous qui regardez la seule lors de son émission, gourmet sucré, ah, ça c'est un gourmet en mer. Parce que ça là, où on prend clitoris, les femmes en bas de la remarquer la petite là. Elle est Yakuba, c'est elle qui les prend. Donc si elle a son copain, quelque part, ne vous approchez pas. C'est vous, comme les Yakuba qui sont circoncis, pour vous au moins, elle ne peut pas. Mais si tu as fait, elle n'est pas circoncis, elle sait où elle met sa main pour faire sortir clitoris là. Ouais. Hein? Donc après ça maintenant, quand il est parti, quand elles sont parties avec ses soeurs, tout ça, ses soeurs n'ont pas pu même venir grouper sur nous parce que ce qu'elles ont vu là. Elles se sont dit, Et puis demain, elles sont en train de marcher là. Ah, elle avait du mal à marcher. C'est sa maman qui la tenait un peu. Il faut, Yako, doucement. Moi, je suis rentrée dans la maison, elle est venue me trouver là-bas. Je lui ai dit, toi et moi, de la messe, nous sommes arrêtés là. Considère que là, c'est mort. Il dit, non, maman, tu sais. Il dit, non, c'est mort. Parce que toi et moi, c'est pas une relation. J'ai venu se grève, partir. Ce petit là, ce monsieur qui est ton type là. Si ça plus caractère de vampire là, tu avais montré là. Le gars n'allait jamais s'approcher de toi. Parce qu'on ne t'est pas, tu te fais. C'est pour ça qu'il dit les filles, vous ne montrez pas vos caractères. Parce qu'on ne t'est pas, vous faites semblant comme vous êtes bon. Wow. Si il savait que toi, tu tirais clitoris des gens là. Est-ce qu'il allait s'approcher de toi? Si il savait que tu prenais compte des gens pour les faire sortir, il n'allait jamais te demander amitié. Donc, il y a des gens, il faut quand même, avant d'aller avec une fille, il faut vraiment l'étudier, il faut voir qui elle est juste. La beauté ne fait pas le mariage. Ce que nous portons, c'est un masque que nous portons. La beauté ne fait pas le mariage, mais le respect. Parce qu'au départ, tu t'es laissé, comme il t'a mouru, ça t'a plu, tu t'es laissé doucement. Et maintenant, comme toi seul, tu as mangé, tu vois que c'est bon, mon pétro, où on finit de la pire, on jette. Quand sa maman, le pigeon, on l'avait pin là, c'était où? Carrément, moi seul, je n'aime pas la fidélité. Et quand toi, tu t'en vas, tu sois à la tête de ton corps, tu t'en vas à ça, non? Donc, pas ces gens de comportement. Non, maman, tu sais. Donc, vas-y. Oui, maman, ce que tu as dit, il ne disconvient pas. Parce que si pour lui, c'est pour moi. Si pour moi aussi, c'est pour lui. Mm-hmm. Moi, pour moi, il ne partage pas. Mais pourquoi pour lui, il se permet de partager? Ce n'est pas dit qu'on ne me draguait pas, on me draguait, mais ça dépend de ce que lui et moi, on s'est dit d'abord pour commencer cette relation. Même ceux qui sont mariés, les gars, ils ont porté bague en diamant. Le soir, le mari, ça m'a fouillé pire. Oui. Maman, ça là, ça marche pas, moi en tout cas, ça marche pas. Mais tu vas avoir plein de maris, tu vas avoir 20 même par jour, tu vas avoir. Donc, ils n'ont qu'à s'apprêter, ils n'ont qu'à se préparer. Oui. Voilà, parce que moi, mon pain là, no touching, on ne touche pas ça. No qui touche yo, ce n'est pas mon problème. Que ça soit no qui si yo, no qui soit pas, ça, ce n'est pas mon problème ça. Seulement, je te dis que tu es là, ils n'ont qu'à bien te dire, tu vas passer tous les vendredis, à mon entendre, où tu parles de no qui touche yo, je ne comprends pas anglais. Ton no qui touche, ça pin là, ce n'est pas pour toi seul. Pine qui est là, c'est pour tout le monde. C'est, toi, tu dois être fidèle à lui, c'est pas lui. À quoi sa pine, il vient de baiser encore. Et puis toi, tu t'en prends, tu te laisses prendre au dehors. Parce que nos qui disent ici. Moi, je m'en fous de ton nos qui disent ici. Je m'en fous de ça. Montrez vos vrais comportements aux hommes. Montrez qui vous êtes aux hommes. Les gens vont quand même vous soutenir. Vous faites semblant, vous avez un défaut, mais vous laissez comme ça. Maintenant, après, c'est là que vous montrez. Si toi, tu tirais les clitoris que tu mettais ta main en bas, tu crois que le gars allait t'envoyer à la maison. Carrément, nos qui disent. Ça, c'est votre anglais. Ouais, vas-y. Non, maman. Lui-même là, avant qu'on a commencé la relation là, je lui ai dit, moi j'ai un côté Yakuba là, faut pas, tu vas faire ça va s'activer. Et lui aussi c'est pareil, il m'a parlé aussi, il m'a dit voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Mm-hmm. On s'est parlé d'abord avant de commencer la relation. Mm-hmm. Maintenant que lui, vous avez fait combien de temps ensemble comme ça? On a fait 4 ans ensemble. 4 ans déjà tu prends clitoris, donc quand ça a fait 10 ans c'est pas grave. 4 ans déjà tu prends clitoris déjà en bas. Écoutez,
Ici, ce n'est pas un coin où il faut venir fuir pour parler de clitoris. C'est la première fois qu'on dit on enlève, on prend clitoris. Tiens, pas un autre côté. Elle aussi, elle t'a laissé le temps jusqu'à aller prendre son clitoris là-bas. Mais moi, il me dit que c'est ce qui. Quand elle le voyait, c'est ce qui est en train de battre. Quand elle le voit, elle est en train de battre tout, 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 tout. Donc, il faut que ça soit aussi. Il faut qu'elle attrape ça aussi pour. Attends, la pédophile, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Quand la fille a elle voit ton gars, son clitoris bat. Ça, tout, 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 tout. Tu fais les choses. Tu es professeur de, ou bien docteur des clitoris, tu les contrôles. C'est toi qui vois les clitoris qui bat ou bien qui ne bat pas. Donc, prochainement, on va demander ceux qui ont les problèmes des clitoris. Donc, quand prends ton numéro, tu vas voir celui qui bat ou bien celui qui ne bat pas. Ouais. Mm-hmm. Donc, après ça, quand je lui ai dit non, que là, j'aimerais que la relation s'arrête. Mm-hmm. Voilà, il ne croyait pas au fait. Il ne croyait pas. Il dit non. Moi, je ne peux pas permettre que tu prends ma chose pour aller me mettre là-bas. Au moins, c'était derrière mon dos si je n'avais pas vu. Il y a faux, ça c'est pas un problème. Ah bon, mais oui, maman, il a vu. Mes yeux ont vu. Et puis la fille là. Attends, hein. Elle veut nion pour me donner. Donc il a monté que là. Attends. Tu dis quoi? Que toi, ta soeur que tu as baisé là. Oui. Avant de venir vers toi, il a baisé 50 000 femmes. Non, mais non, ça, non, c'est non. Ça. Tu l'as pas trouvé nouveau? Toi seul, quand sa pile touche pas ton con là, ça va plus aller ailleurs. Parce non. Que ton con là, c'est quoi? C'est oui, sucré. C'est sucré, maman. C'est pas sucré. Parce que si ton con était sucré, là, tu étais assis quelque part. Donc, mamouillant, si tu quittes pas, laisse-moi parler, si tu quittes pas dedans ma fille, la peut-être tu vas tu y traîner. Il faut avoir le respect. Vous pensez que. Non. Et puis quand tu le dis, ça vient de ton cœur même, ma fille. Oui, bien sûr. Donc, tu as ma petite fille même. Mais pour dire que oui, que moi j'attrape le clitoris des gens. Mon mère, on ne me cherche pas. Même Tina Spence, ces mecs qui sont en haut d'Yango là. Tina ne pourra jamais te dire qu'elle est prend le clitoris de quelqu'un. Chacun a son tempérament, même. Chacun a son tempérament. Puis c'est pas le mari de tout le monde aussi, on cherche. Il y a d'autres là, on les déchire, on les griffe, on prend une fourchette, on gâte les visages, on met l'âme dans un faux ongle, puis on les griffe. Moi, pour moi là, ces caleçons, ils étaient type pour te jeter. Ah, ma fille, c'est très bien. Ça, c'est en tout cas, c'est une mission, pas comme les autres. Parce que c'est une mission vraiment de conseil où il y a des gens que tu connais qui ont des bics, qui ont des lames, qui ont des fourchettes, qui ont des couteaux là. Moi, mon émission ici, c'est de réunir les. Je ne savais pas, il y allait recevoir une brigante aujourd'hui qui veut faire du mal aux gens. Soit ton brigandage là, c'est pas à elle, à celui-là ici. Ou tu prends clitoris des gens, là, tu es devenu célèbre. Parce que tu sais que tu es artiste, tu es rentré dans l'artiste. Tu fais la musique. Demain, tu es sur scène. Ah, c'est pas femme qui prend clitoris, c'est pas notre raison. C'est pas pour ici. Ça va jusqu'aux États-Unis. Tu vois, moi, il y a des dames qui quittent en France qui viennent me voir. Ah, la seule loi, quand il y a la vérité, il faut le dire. Moi, je pensais que l'homme qui est là, il faut pas donner. Parce que ce que tu veux. Et puis, le même homme encore vient vers toi, c'est que c'est quelqu'un, mais il sait pas ce qu'il. Parce que l'acte que tu as posé, si c'est un homme vraiment, il y a longtemps, il t'a laissé. Il va même pas venir auprès pour dire maman quoi. Non, parce qu'il sait que c'est lui qui a tort. S'il m'avait pas provoqué, s'il m'avait pas cherché, il n'allait pas avoir ça. Mais tout pendant 4 ans là, il t'a pas provoqué non? Non, il était tranquille. Même s'il le faisait, c'était pas devant moi au fait. Ton voilà. Libia que tu as mis dans ton coin là, c'est fini. C'est bon. Pas risquer de prendre pistolet des gens au bureau. Vas-y. Et moi, Yakuba, non, faut pas dire Libia. Yakuba là, c'est dit que dedans même, c'est déjà sucré. Quand tu rentres pour moi, ma petite. C'est pas sucré à la gestion. Non, non. Le con qui traîne là-bas, c'est pas sucré. Jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à pardonner cette infidélité-là. Mm-hmm. Parce que la preuve, on est que. Il y a même eu mon patron, même qui m'a fait des avances. Voilà, mon patron avec qui je dansais, qui m'a fait des avances. Voilà. Mais j'ai refusé au fait. Parce que c'est que tu ne veux pas qu'on te fait là. Faut pas que tu as fait ça à ton prochain. Mm-hmm. Il a sa femme. Je sais très bien qu'il a sa femme. Je pouvais accepter. Il m'a même donné même un bisou. Je peux dire mondial que tout le monde a vu. Mais c'est pas pour autant je vais aller. Et puis il est venu même de. Ça dit dans une période même où j'étais dans un gourmet même où tout m'énervait. Ça dit que amour, tout m'énervait. J'avais même plus envie de m'engager encore dans une relation. Et puis ça, c'est en cette période-là qu'il est venu. Ah voilà, tu sais, voilà, Rita, voilà, c'est rentré tout là-bas. Mais j'ai refusé parce que moi-même, je ne veux pas. Parce que c'est à cause de ça, j'ai bras pour revenir, pour être seule dans mon coin. Voilà, donc c'est un peu ça. On dirait que tu es nous, les bras blancs, tu as bras quoi? C'est à cause de ça, j'ai bras le gars en question. Voilà, c'est-à-dire, moi je crois, bras, c'est le, quoi? Le gars que j'ai bras là, c'est le père de mes deux filles. Je les bras à cause de l'infidélité. Parce qu'il y a mon cœur là. Donc, mon cœur là, c'est pas caillou. Uh-huh. C'est pourquoi je l'ai jeté. D'accord. Maintenant, tu as deux enfants. Oui. Tu as bras les papas. Oui. Maintenant, ça t'a pas changé. Tu vas dans les autres coins où tu prends, tu touristes les gens. Non, non, j'ai pas encore prié, j'ai pas encore attrapé. Tu as déjà blessé un homme. Oui. Tu as abandonné tes deux enfants
à cause de je ne sais quoi. Et puis aujourd'hui encore, non. Tu tombes sur quelqu'un où tu vas prendre cette que l'ancien qui t'a laissé, il avait trop raison. Actuellement, moi, je suis célibataire. Mais actuellement, tu vas seul. Non, actuellement, maman, il y a plein même qui sont à mère. Oh, c'est moi qui refuse. C'est moi qui ne veux pas. Te connaître, moi, ouais, la une, là. Moi, c'est moi, je ne veux pas, en fait, parce que ce que j'ai vécu là. Mm-hmm. Si tu sais que tu as venu derrière Rita et que tu serais infidèle là, mon frère, c'est mieux tu restes à côté. C'est mieux tu vas continuer. Tu as les mougous, les pétous, pétous qui sont vers psychologie, comme maman a dit là. C'est mieux. Parce c'est que moi, là, dit, hein? Mon pétou là, hein, mon pétou là, si tu veux rentrer dedans là, c'est que c'est toi, moi. Tu m'aimais et t'aimais. Et puis on est deux. Maintenant, si tu as ajouté une troisième personne là, que je t'ai attrapé, je te bras. C'est très simple. Voilà. Ça, c'est si c'est pour une relation sérieuse, voilà, qui va aller au mariage, il y a foi. Mais si c'est pour se gérer comme ça, il y a foi. Si tu veux là, faut goûter les mais tout que tu veux, c'est ton problème, ça te regarde toi seul. Mais tant que tu as dit, Rita, je veux une relation sérieuse, je veux de faire de toi ma femme, il n'y a pas de souci. Je vais te dire mes principes. Et puis, quand c'est quand je vais te dire tout ce que je n'aime pas. Tu vas me dire aussi pareil, comme tout le monde le fait. Voilà, ça, on le sait. Maintenant, si tu viens rompre. C'est-à-dire, ce que tu as dit là, c'est pas ça, tu respectes pas. En tout cas, ce jour-là, génie, si mes génies là sont venus là, que je t'ai attrapé, si tu as fait derrière mon dos, il y a fois, mais si je t'ai attrapé, mes yeux ont vu avec une gourde bien propre. En tout cas, toi et la fille, je sais pas, ça va dépendre comment est-ce que ça va se passer. Voilà. L'autre côté, la fille, je la connaissais, elle me connaissait, elle savait que c'était mon pain. Et elle s'est entêtée à venir. C'est-à-dire, quand tu viens dans la maison de quelqu'un qui est marié avec sa femme, là, faut t'attendre à ça. Si tu viens, c'est parce que si tu as gros cœur, tu te dis que tu es femme, tu peux encaisser, tu peux affronter, non. Faut t'attendre à ça. Parce que si tu ne voulais pas affronter, là, tu n'allais pas te faire genre. Quand tu vois la femme et son mari, tu te fais genre. Tu allais faire ça en cachette. Mais c'est parce que tu te dis que tu as peur tout. C'est à cause de ça aussi, tu voulais, tu t'es mis devant pour qu'il ne casse pas que c'est toi. Non. Donc, il faut avoir aussi peur toi aussi pour encaisser. C'est comme ça, c'est. Ça ne chauffe pas. Bon, j'ai dit, je suis d'accord, cher téléspectateur. La seule heure, il faut toujours cette émission pour qu'on écoute, chacun va faire parler son cœur. Mais ça, c'est une histoire déjà. Moi, ça me fait rire. Parce qu'on ne peut pas se comparer à un homme. L'homme est libre de faire tout ce qu'il veut. Parce que se comparer à elle, ça vous trouvez que moi, la vieille, le gars là, le gars n'a rien fait. Parce qu'on ne peut pas tomber sur une dame. Déjà, lui, il ne savait pas que tu allais réagir comme ça. Et si tu tuais la fille, tu la blessais mal. Les problèmes, ça allait toujours chaler sur le monsieur. Donc, ta beauté, ton mourouchon que tu as confié, puis tu parles anglais dedans. Mais si c'est pour attraper le clitoris des gens, déchirer les femmes, puis on te demander pardon, ma fille, c'est que tu as trop duré là. Parce que la beauté, les Ivans, ils ne mangent pas la beauté. Et c'est le comportement que les gens mangent. Il faut te soumettre. Parce qu'on va te dire, tu es très belle. Quand je t'ai vu, mais tiens, quand tu m'as dit, mais la fille, elle est très jolie. Tu as un beau visage, tu parles bien. Mais paroles qui sortent de ta bouche, et puis anglais termine là, c'est trop fort. Parce que toi, pile, t'as baisé. Quand sa mère avait ça dans un village, on soignait l'eau, on le massait, on ne te connaissait pas. Parce qu'il t'a couché, il ne faut plus que quelqu'un ne va baiser. Si toi tu l'attrapes, tu vas te tromper, tu vas tomber sur une femme grêle de tout le plus aussi. Aïe. Mais elle va te lever plutôt, peut-être pour toi. C'est qu'on se laisse. Aïe. Si je ne savais pas regarder grêle. C'est qu'on se laisse. Tous les Yakuba que je connais, c'est les gens qui ont un grand cœur, ils sont ça. Et là, Madame Puy. Madame Puy, ouais, en tout, n'a pas de problème. Tous les Yakuba que je connais, c'est ma première fois de voir une femme Yakuba qui dit. Moi, si tu sois ma soeur qui m'a baisé, que toi tu es à côté, je vais enlever le clitoris. Nous sommes dans un pays où chacun a son clitoris. Si c'est pour enlever, ah, ma chérie. Vraiment, c'est que quand les hommes vont te regarder, ils vont dire, ah, on dit, c'est là, prendre le clitoris des femmes. Hein, parce que tu n'as jamais avoir un homme qui va dire, c'est toi ce qu'il a fait. Tu ne peux jamais avoir un homme qui va dire, après toi, il ne soit pas quelqu'un. L'homme est libre, c'est le respect seulement que l'homme fait. Il respecte sa femme, ah, c'est ma chérie. Quand un homme a un respect pour vous, vous exagérez. Il te respecte. Mais rien ce que tu fais, même si tu la supprimes, la première des choses, pour te donner la raison, tu t'assois et dis, ah chérie, excusez-moi. Quand on pardonne là, simple pardon là, ça arrange tout. Mais tu as fait ta page, les gens vont venir te regarder. Le monsieur quand même, lui là-dedans, il entend, il était quand même, mais au fond déjà, tu l'as blessé. Parce qu'il s'est dit, ah lui, il ne pensait pas que toi, tu devais faire ça. Donc je vous écoute. Maman, moi, c'est il la ne seule m'a pas respecté. C'est moi la seule. Je ne suis pas maman ici, ce n'est pas maman, ma tête. Maman, la seule lord. La seule lord. La seule lord de la tout le seule lord de tout maman, le maman, ici, on n'est pas la maternité. D'accord. Maman, la seule lord de tout le peuple. Oui. Il ne m'a pas respecté jamais. Il ne m'a pas respecté aujourd'hui, demain, ni après-demain. Parce que je ne pense pas qu'un homme qui te respecte là, il va se permettre d'aller envoyer un jet sur le lit, là où vous dormez à deux. Donc, sur ça là. Maintenant, Lila, qui a payé? C'est nous qui avons payé.
C'est nous qu'on a payé. Tu as payé, il t'a payé maintenant là. Oui, c'est nous qu'on a payé. Donc, oui, c'est nous qu'on a payé, maman. Ma chérie. Donc, je ne peux pas permettre ça. L'infidélité, je ne peux pas permettre. Et puis, je sais que là, sur cette terre, dans ce monde-là, je sais qu'il y a des garçons qui sont fidèles. Parce que moi, mon beau-père, il a fait 40 ans de fidélité. Donc, je crois en la fidélité. Ton je crois en ça, oui, oui. Il a fait 40 ans. Oui, oui, c'est oui, c'est un pasteur. Attends, quand tu parles, laisse-moi te répondre. C'est Sapine qui a dit 40 ans, il n'a pas fait quelque chose. Non. Sapine t'a donné réponse là-bas. Non. Ton beau-père a fait 40 ans. C'est Sapine qui t'a dit ça. Vous êtes à vous montrer, vous voulez qu'on vous regarde. Les gens, ils disent, monsieur, il faut qu'on les regarde. Il n'y a pas pire qui va faire 40 ans sans baiser une autre femme. C'est, que, si, c'est oui. Le respect, il a pour ta soeur. Si, si. Sinon, il n'est pas libre. Non. Mais tu connais toutes ses affaires. Non. C'est un homme de Dieu. Qui a créé Pina. Sa femme, il s'est marié légalement. Qui a créé Pina. Jésus même l'a dit que Pina, ça est là. J'ai envoyé pour que vous baisez. C'est Jésus qui a envoyé Pina. Chrétien, chrétien. Chrétien où? Chrétien, oui, puis il regarde film porno. Quoi, les chrétiens? Dans les portables, il y a porno. Oh, chrétien, non, bon. Donc, quand elle a vêté, il faut dire, tu me dis, non, maman, oui. Non, moi, mon beau-père, il faut ça. Laisser à faire des mamans. Je peux mettre ma mère. Il faut laisser à faire des mamans. Moi, je suis la seule de tous les pleurs. J'ai dit, il ne faut pas dire que toi, ton beau. Qui a, il est chrétien, il oui, est pasteur, il est quoi, oui. Quoi? Pina, c'est Jésus qui a envoyé Pina. Oui, ça, c'est ta avant dans sa vie, qu'on appelle de païen. Mais toi, tu dis carrément que oui. Il s'est converti là. Quand je parle, tu me laisses terminer. Toi, tu me dis carrément oui, mon beau-père même, comment appelle, il a 40 ans, il n'a pas baisé femme. Bon, comme toi. Non, mais écoutez, prenez pas les gens. Qui a envoyé Pina? C'est Jésus-Christ qui a dit, Pina, il faut descendre là-bas, tu vas t'occuper des gens. Ça veut dire quoi, ça? Là? Les gens qui aiment Dieu, il fait qu'on les regarde. C'est moi la seule, ça passe pas comme ça. Moi, Dieu m'a envoyé. Dieu dit, la seule, va sur la terre pour que tu parles de Pina. Combien d'années aujourd'hui? C'est moi, je parle de ce qu'elle sait. Moi, si je couche à une femme, tu viens auprès de mon mari. Vous qui partez avec son mari, là, laissez votre clitoris à la maison. Parce qu'elle est là, c'est elle qui attaque. Je suis unique à mon genre. J'ai dit à tous mes fonds. De toujours suivre le gourmet sucré tous les vendredis à 22h. Alors, je profite pour dire tout à l'heure, quand on dit pine, c'est une queue. Entre pine et les testicules, trait qu'elle a, qui a aiguë de ça? C'est Jésus seul qui a cousu ça. Son trait de pine là, avec le testicule qui est collé là, c'est Jésus seul qui a cousu ça. Mais pourquoi quand tu prends la langue simple, que tu laves dessus, l'homme ne se retrouve pas? Vous êtes là souvent, il y en a qui disent que ouais, il faut mettre un bétadine dans le sexe. Près qu'elle là-bas, on soigne jamais, c'est Jésus c'est lui seul qui a le bétadine là-bas. Bétadine de Jésus, ça n'est pas sur la terre. Donc, quand vous dites, la jeunesse, vous êtes jeune. Nous, on entend des parties. C'est vous qui allez prendre le relève. Mais écoutez, à respecter un homme. Les agressions, les histoires dans le foyer, ce n'est pas la solution. Quand tu dis que tu aimes vraiment ton homme, je suis d'accord. Quand on l'aime, on a les yeux dessus. Mais on n'aime pas pour l'agresser. Parce qu'il ne faut pas faire qu'il va te dire, ah, moi, je l'aimais, mais vraiment, mon cœur n'est pas sûr. Parce que les hommes de nature qui n'ont pas des histoires. C'est rare, tu vas voir un homme qui frappe trop une femme, ce n'est pas normal. Parce qu'il a une mère, il a des sœurs. Mais vous, souvent, quand vous donnez la liberté, si vous avez signé passe. Parce que tu as signé le jour, je te vois une femme, je vais prendre tes clitoris. C'est ça, tu as signé le bien. Mais fais pas ça. Comment ton mari, moi-même, madame Nyankouli, mon mari fut un pilote. Une fois, je suis allé chez sa grande soeur, à Lakota. Je viens la nuit, je viens, quand je voyais le gardien, quand je passe, il passe là. Je passe, il passe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Il dit, non, maman, il n'y a rien. Déjà, mon mari Nyankouli, le facile qui est couché, mais sa famille est là. Je ouvre la chambre, il était couché avec une femme. Il dit, ah chérie, excuse-moi. Devant Dieu, devant les hommes, je suis allé me coucher dans une autre chambre. Matin, comme j'avais l'habitude de me réveiller à 4 heures pour faire son déjeuner, j'ai fait le déjeuner. Mais la jeune fille n'a même pas pu. J'ai dit, ma chérie, ne te gêne pas. Ça peut arriver. Est-ce que tu as vu? Si je faisais du tapage. Moi, mes parents sont à Bobo. Il allait me botter là. Et puis moi qui dormais sur Clémentine, j'allais me retrouver encore en bas des tables là-bas. La patience là, c'est ce qui fait l'amour. Mais la jeune, quand il dit non, moi quand je baisse quelque chose, j'ai pas. Puis mon frère, il est pasteur. Mon beau là, il est pasteur. Lui, ça fait 40 ans. 40 ans, il est pasteur. Qui a fabriqué Pine là? Vous donnez au pasteur. Il sait où Pine a quitté. T'es sûr là, mais qui a. Comment Jésus a collé dessus? Puis la cousine, vous connaissez ça? Puis mon pasteur. Il n'y a pas de pasteur fidèle. Pourquoi les pasteurs, souvent dans les portables, il y a des vidéos de porno dedans? Lui, il est pasteur, il doit parler de Dieu. Un pasteur ne doit pas bander, mais c'est un mec qui bande plus que ça en Côte d'Ivoire ici. Les bandits, c'est les pasteurs, les prêtres qui sont dans l'église là. Tu vois souvent, ils font semblant, ils portent leur robe là. Quand la pile, c'est leur passion, on ne va pas voir dans la robe. Vous, les pasteurs, vos bandeillards là, libérez-vous, couillez les gens. Dieu n'a pas dit ne pas couiller. C'est lui qui a descendu, pine là. T'excuses avec le train, on appelle ça la guitare des hommes. C'est vous qui couillez? Un pasteur qui regarde film porno, est-ce que Dieu dit faut prier pour ton prochain, mais il n'a pas dit ne pas couiller les femmes. Moi, un pasteur qui vient vers moi, il te couille. Est-ce que ça va te couiller? Est-ce que pine est pasteur? C'est toi-même qui fais ton église. Dieu dit, Dieu qui vous a donné pine là. Qui a descendu pine là sur la terre? Hein? Si il venait là, tu savais qu'il y avait pine là-bas, c'est lui qui t'a collé ça. Pine, il t'a donné ça pour aller couiller les gens. Jésus m'a dit que pine qu'il t'a donné est testicule. Parce que le testicule est là, c'est comme une soupière qui t'arrose. Carrément. Bon, il a fait 40 ans, il ne baisse pas les gens.
Il baisse pas les gens comme il baisse ta soeur. Lui, il baisse pas les gens. C'est les amoureux, ça. Moi, mon mari prend ma part derrière le quoi. Quand je mets ma fiche là, il y a des blancs qui sont passés, ils viennent. Ouh là là, mais c'est beau ça. Et tu vas mettre ça tous les jours. Il y a des bonnes. Alors quoi, il faut demander à tout le monde. Une fois, on n'a pas mis le matin, voilà le blanc qui vient. Allez, bonjour, maman. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mis ça aujourd'hui? Toi, tu es passé blanc, c'est toi qui n'as pas mis, prends ma part derrière. Donc, il ne faut pas, on va faire semblant. Jésus, mais c'est un embourré plein. Il adore les bonnes choses. Ça fait que le trou qui est en bas de nous, là, c'est lui, quand il touche, quand il voit que Pile vient vers ça, c'est que Jésus a branché ça. Il a déjà mis ça en marche. Pourquoi on vous attaque? Il y en a qui disent qu'il faut mettre Bétadine dedans. Elles ont allé y appeler. La question des plaies, c'est Pile qui guérit ça. C'est Jésus, entre la pine et le testicule, il y a un petit trait. C'est Jésus qui a bougé ça. C'est lui qui a le fil de ça. Mon oncle, il a fait comme 40 ans à ma soeur. Il est resté fidèle. Ma fille, il faut quitter dans le tapage parce que les Yakubas sont très bouffes. Prochainement, c'est mieux quand tu le trouves comme ça, hein, chérie. Qu'est-ce qui se passe? L'homme est toujours prêt à se soumettre. L'homme est toujours, même s'il est président de la République, il va se mettre en genoux, te demander pardon. Ma fille, il faut laisser. Mais ce que tu es en train de faire, demain, déjà, à cause de. Tu as dit, tes deux enfants, tu as bras. Ton mari, tu as bras. Tu as bras là. Si le médecin vient expliquer pour dire, elle dit, elle prend tes excuses, mais elle fait plus que ça. Parce qu'elle ne peut pas prendre ça le comportement pour mettre sur ta beauté. Tu es très jolie. Ma mère t'avait pris pour une fille peu elle-même. Tu es très, très jolie. Les Yakubas sont très doux. Moi, j'ai mes copines. Tu vas demander à madame Puy. Son mari perd à son homme. Nous sommes les deux veuves et on se promène ensemble. Elle aussi, elle a un maquis. Moi, j'ai mon maquis. On appelle ça prends-moi par derrière. Quand tu rentres dans le coin, après le pont, il faut dire, quand, mon nom, la seule, les gens ne connaissent pas. Il faut dire, prends-moi par derrière. C'est un maquis, vraiment. Ça ne ressemble à rien. Mais les gens viennent se reposer pour les conseils. Je les donne souvent. Il y en a qui sont chargés chez eux. Mais quand ils arrivent, quand tu les ambiances, ça diminue un peu et puis ils rentrent chez eux. Donc, la jeunesse, prochainement, si tu as un nom, vous avez vraiment signé pour dire ah, faut pas. Mais l'homme, tu n'as jamais signé de patte à un homme pour ne pas chercher de femme. Est-ce que quand on mange sur le grain, il n'y a pas sur le longueur à côté? Ou bien il n'y a pas fait de manioc? Parce que toi, ton compte, t'as baisé hier là, c'est fini. Donc, tu ne veux plus que quelqu'un s'approche. Parce que tout à l'heure, tu avais fait un petit geste de la vie, quand je l'ai pris là, j'ai pris son compte, il dit, je reçois, mais aujourd'hui, vraiment, je suis au thème. Il y a des gens, on reçoit, mais souvent, tu tombes sur quelqu'un aussi, tu dis, ah, tu dis que tu es chaude, mais il y a aussi la termination. Mais toi, seulement, il a dit au Yakuba, votre fille qui est avec vous, c'est bien beau. Mais jeune, quand vous sortez avec elle, comme déjà, au départ, si la femme montrait son vrai comportement au départ, ça ne devait pas arriver. Parce que les femmes qui sont capricieuses, elles attendent toujours, elles font semblant. Quand tu tombes sur une femme qui dit, non, moi j'aime pas les histoires. Attention, c'est elle qui va te nuire dans l'eau. Parce que dès maintenant, moi, la seule eau, comme ça, qui quelqu'un m'invite, la seule eau, qu'est-ce que tu bois? J'ai dit, moi, je bois fan Pierre. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Soyez toujours à l'écoute. Soyez toujours avec l'émission Gourmet Sucré. Vous allez apprendre plein de choses. Tous ceux qui sont cachés vont venir faire parler leur cœur et vont profiter pour leur donner conseil. Je n'aime pas que les enfants fassent du tapage ensemble. L'amour, c'est de l'art. Quand vous êtes ensemble, tu es une grande artiste. Tu as dansé avec les grands messieurs de la maison. Et puis encore, tu es devenu une artiste. J'espère que ton comportement d'avant, il faut quitter dedans. Mets-toi, parce qu'un artiste, c'est pas n'importe qui. Tout le monde, ce n'est pas forcément tu vas rester. Si un matin, tu t'en vas aux États-Unis, ma fille. Parce que les gens, ils m'ont témoigné que la fille, elle danse bien. Elle était à Alpha. Tu es resté avec ton frère, que c'est la mort qui vous a séparé. Sinon, tu allais toujours continuer avec elle. Donc, moi, ma fille, vraiment, je suis très fière. Tu as vraiment fait parler ton corps. J'espère que tu as pu répéter tout ça. Les tapages, ce n'est pas la solution. En se battant les gens, ce n'est pas la solution. Même ton ennemi, si tu n'as pas salué, demain matin, tu t'en dis bonjour. Le bonjour, quand quelqu'un t'aime pas, il faut apprécier la personne. Si la terre, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, moi, tout le monde m'aime. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y en a qui ne veulent même pas te voir. Ils ne te connaissent même pas, ils ne veulent pas te voir. Et regarde, ils n'ont qu'à faire comme Mamadou Djémé. Il est le chef de tous les voix de GESCO. Le monsieur, il a dit, quand on dit cela, c'est un volet. Dis-moi, je vais marcher avec toi. Quand il se lève comme ça, il dit, moi, je vais marcher. Il ne m'a pas volé. Il est tentant. C'est la tranquillité. Où tu es un homme, tu es une belle fille. Dieu, la liberté est toujours envers toi. Mais moi, je ne dis pas mettre les larmes ici, tout ça là. Parce que quand on va te prendre là, pour rien, tu vas perdre ta carrière. Tu vas le faire 20 ans en prison, 10 ans en prison. Pour un homme, à cause des pines qu'on t'a grandi là. Pines à ça et là. Les pines même là. Quand on fait du bruit là, c'est ça, mais ils bandent. Et toi, on t'a couillé hier, donc toi, pines là, il ne faut plus en donner à quelqu'un. Quand sa maman lavait ça au village, on marchait, elle baisse des quartiers, on le lavait. Toi, tu avais vu, tu as déjà vu quand il s'est formé. Mais quand il était petit, puis il avait nettoyé ça, tu n'étais pas à côté. Donc, les histoires déjà, tu as fait deux enfants déjà. Reviens un peu sur la terre. Le tapage, ma fille, il faut quitter déjà. Tu es très belle. Demain, pas tout à l'heure, quelqu'un va dire, ah,
C'est là vraiment, quand tu es avec elle, on devient passeur en même temps. C'est les passeurs. Passeurs, même, ils ont copine. Ils ont copine. Comment un blanc peut venir devant mon mari pour me dire, alors qu'est-ce que tu as mis là, tu n'as pas mis le tableau. Je lui dis, prends-moi pas derrière, il n'est pas là. Hein. Pourtant, il dit, il est grand pasteur. Donc, au PIN, c'est Josie qui a fabriqué PIN. Voilà, je suis venue à Ivoire TV Musique, voilà, pour prendre conseil auprès de Maman Laure. Et en tout cas, vraiment, j'aimerais dire à mes sœurs, voilà, de toujours rester calme, quel que soit ce qui va arriver dans la relation, de toujours communiquer avec son partenaire et aussi de pardonner. Voilà, c'est pas facile, c'est vrai, mais bon. Si tu veux te marier, si tu veux avoir un bon foyer, il faut mettre un peu de ton vin. Voilà, donc c'est pour cette raison que je suis là. Voilà, et souhaiter aussi une très belle fête des mères à Maman Zoumana, à ma mère, à Maman Tina, à Maman Emma Louest et à toutes les mères du monde entier, à Maman Laure aussi. Voilà, bisous, bisous. Love you. Et sans oublier Boy Laurent Lagesco, merci beaucoup aussi à sa femme et à sa belle-fille. Et là, Boy Laurent, que j'ai dit son nom, sa belle-fille, la femme de son fils, hein, mais la petite, là, quand tu arrives, elle va courir comme ça. Elle dit que ma belle-mère doit plus faire, c'est moi qui suis maintenant la femme de la maison. Le savoir parler mes enfants, ça fait beaucoup de choses. Ce monsieur, c'est un directeur de Ivoire TV, mais il est là, il va demander, ça va chez toi, ça va chez toi. Parce que l'éducation, là, on est avec ça. On est avec ça. Moi, ma directrice va se lever ici. Maman, ça va. Est-ce que la vie a fait comme ça? Mais quand tu dis non, moi, quand on signe pas là, toi, tu es qui? Tu as signé pas de règles. Toi, tu signes pas des pines. C'est-à-dire que ce que tu vas toucher pour toi, tu vas les blesser. Tu n'as pas encore tombé sur quelqu'un qui va enlever tes étincelles. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, que soyez toujours à l'émission. C'est l'émission de la seule heure de tout le peuple. Je suis unique à mon genre. Soyez toujours à notre émission. Tous les vendredis, 22h, vous allez voir le gourmet sucré. Tous ceux qui ont le gourmet qui les fatigue, avec mon émission, tu sais. Beaucoup de gens m'appellent, ah, grâce, quand je t'écoute vraiment, aujourd'hui c'est comme ça. Et merci aussi à Jean-Pierre, sans oublier Brice et sa femme. La seule, elle vous dit bisous à vous.